Salut à tous, c'est Tifa. Je vais vous faire un tuto pour pouvoir auto le TOHard du niveau 1 au niveau 100. On verra que certains niveaux de boss ne sont pas forcément. Mais le but en fait c'est de vous donner les clés pour pouvoir construire votre propre team et de pouvoir auto le TOHard. Donc dans un premier temps je vais vous présenter ma team. Ensuite, je vous dirai quels monstres sont utiles et pourquoi. Et enfin, je vous dirai quelles runes utiliser sur quels monstres et les optimisations qu'on peut faire. Du coup, là on est au TOHard 92. Je vais vous présenter ma team. Donc on a de gauche à droite, Poséidon, Mantura, Verdeil, l'Homonculus O et Maurice. Je lance et on voit comment ça se passe. Donc pour composer votre team, vous avez besoin de plusieurs choses. On va mettre en auto. Deux debuffs ATB, deux slow, un stun, un dot, enfin plusieurs dots même. Du dot, du boost ATB et un revive. Donc en debuff on a Poséidon et l'Homonculus, en slow on a Poséidon et Mantura, en stun on a Maurice avec les 7 désespoirs aussi des autres monstres, en dot on a Mantura et l'Homonculus, et en boost ATB on a Verdeil, le revive c'est Maurice, et je vous laisse en vidéo avec la musique pour la suite. Thank you.
que sur la vague 2, les monstres n'ont pas fait leur skill 3. Du coup, ils ont pris quelques dégâts. Donc, on peut pallier à ça en mettant des set shields pour pouvoir tanker un peu les dégâts. On avait aussi sur la vague 2 que les salamandres light, on peut pas les contrôler. Et donc, du coup, mon Mantura il a pris une masse de dégâts à cause de ça. L'autre chose qu'on a vu, c'est que on a pas mal de monstres élémentaires et quand ça glande sur le vent, bah pareil, on prend des dégâts. Donc c'est pour ça que idéalement il faudrait des monstres, un maximum de monstres dark and light pour éviter les cool glancing. Et on a vu aussi que Maurice nous a un peu troll, il a attendu que tout le monde meure pour revive quand il rescue un monstre, mais bon, ça arrive. Donc là, moi je vais vous présenter ma deuxième team. Donc on a rajouté Akamamiya et Galion. Donc Akamamiya qui remplace Verdeil pour plus de dégâts et Galion qui remplace Mantura pour plus de dégâts aussi. On a un buff attaque qui scale bien avec Akamamiya parce que Akamamiya fait des dégâts en fonction du nombre de debuffs. Donc on va voir comment ça passe, c'est un niveau assez difficile, j'espère que ça va pas fail. Donc là aussi ils font tous leur skill 3, normalement tout devrait bien se passer, mais c'est vrai que Léo la Ragdoll ça peut vite partir en couille. Donc ça c'est le genre de niveau où on va peut-être obligé de le faire manuellement, mais ça reste rare. Allez, je vous laisse en musique. C'est pas passé, ça aurait pu passer, mais c'est vrai qu'en auto ce niveau là il faut vraiment que si c'est joué avec cette team là, il faut vraiment qu'il y ait tout le combo qui soit mis en place dès le début, le skill 3 de Galion avec le skill 3 de l'homonculus sur la vague 3,
avec le skill 3 d'Akamamir derrière qui va mettre tout le monde mid life. Et après, il faut espérer un deuxième stand. Enfin, du moins, au moins un proc d'Esper et un stand pour refaire le combo une deuxième fois. Sachant que une fois que le combo est fait, une fois le niveau est presque win. Donc là, dans le genre de compo, il faut à la fin de la vague 2, au milieu de la vague 2, faire en manuel pour que tous les skills 3 soient disponibles pour la vague 3. C'est un niveau qu'on peut pas faire en auto. En plus, on n'a pas une team adaptée, on va dire. Parce que on sait que le passif de Ragdoll, quand ça crit, tout le monde boost ATB. Du coup, ce qui va se passer, c'est que ils vont tout le temps jouer, les Ragdoll. On voit que mon homonculus, ça a 88% de critique. Donc, il tape. Enfin, il crit souvent, du coup. Du coup, c'est un peu chiant. Mon Akamamir a 85 d'auto-critique. Heureusement, on a enlevé Verdeil parce que ça, c'est une catastrophe. Sur niveau, faut pas utiliser Verdeil. Voilà. Bon, après, c'était un niveau un peu spécial. Les bombeurs, c'est fort contre ça. Mais j'ai pas vraiment de team bomber. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un peu les runes pour mes monstres. Alors, il y a qui? Il y a l'homonculus qui est en Despair, Broken. Donc, idéalement, il faudra le moins de 7 Broken possible. Donc, 180 de speed, c'est important. Il est en carton et il a 13 000 de vie, mais bon. Ça, on s'en fout parce qu'il joue jamais en face. On a Galion, bah celui-là, il a une double protection. Will, c'est plus pour PvP. Mais les deux sets protection nous aident bien. On a Poséidon qui est en violente. Donc à plus de 200 de speed. Faut au moins 200 de speed en violente. Et on va dire 230 de speed en rapide. 230-240. Ensuite, on a Verdeil, 100% de crit. Alors, mon Verdeil, je lui ai mis un 7 précision, qui augmente quand même la précision de 10% de toute la team. Donc, ça, c'est cool. Fait que mon Poséidon, il a combien de précis par exemple? Et ben, il passe à 53 juste parce qu'il est avec lui. Et s'il est avec le lead Akamamir, qui a un lead 41, donc il est quasiment à 100%. Donc, ça, c'est cool Akamamir pour ça. Après, si on met 2-3 cette précision, ça fait quasiment pareil. Donc, mon Akamamir, il est en rapide volonté. Bon, on s'en fout, il est en DPS quoi. À 182 speed. C'est important, le minimum 180, parce que sinon, les monstres en face ils jouent avant que vous jouez. Et c'est du coup, ça sert un peu à rien. Bon, il y a juste. Lui qui est juste en dessous de 180 de speed pour faire rejouer toute la team. Après, on a Maurice qui a 230 de speed en violente, broken. Et on a Mantura. Mantura aussi, il a pris cher tout à l'heure, mais il a pas ses runes maxées. Donc il a presque 200 de speed en Despair. Précision. Ah, il a un 7 précision. Du coup, j'ai 2-7 précision, ça me fait 20% de précision en plus quand j'ai Verdeil et Mantura dans ma team. Et je crois qu'on a fait le tour de tout le monde. Alors, du coup, on passe à la dernière partie qui est la création de votre team. Donc, j'ai fait un tableau Excel qui sera disponible dans la traduction que vous pouvez consulter. Sinon, vous mettez pause sur la vidéo, ça marche aussi. J'ai fait une recherche sur des monstres, j'en ai sûrement oublié. J'ai les ai classés en gros par capacité. Par exemple, on voit que l'homonculus O, Odin, il a un debuff ATB, un dot et un stun. Enfin, un stun free, c'est pareil sur skill 1.
Voilà, donc j'ai fait ça pour tous les monstres. Sachant que dedans, il y a des monstres qui sont non farmables. Les non farmables, je les ai mis avec des étoiles. Voilà, donc je sais pas si vous vous rappelez au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il fallait deux debuffs ATB, il fallait du DOT, des debuffs speed, un stun, break attack, c'est au cas où vous prenez trop cher. Je vais vous expliquer une autre stratégie. Et les buffs, c'est du bonus. On est dans la team TOA hard, vous n'êtes pas obligé d'avoir de buff, vous pouvez avoir une team avec zéro buff. Alors, du coup, comment se lit le tableau? Donc, quand il y a une croix dedans, c'est-à-dire que le monstre le fait. voilà. Donc, là, par exemple, si vous voulez un debuff ATB. Alors. Un debuff ATB farmable, on a Woshi qui est même mieux que Poséidon parce que alors il a le même skill 3 que Poséidon sauf qu'il met pas le slow. Bon, ça fait un petit debuff en moins, mais son skill 2 debuff aussi ATB, c'est-à-dire que ce monstre a déjà de base 2 debuffs ATB. Donc accumulé à l'homunculus O, ça fait 3 debuffs ATB plus. Un slow par exemple bah, le serpent d'arc Mantura qui slow voilà on a des monstres qui sont super forts on va dire MVP il y a Vérade qui enfin si vous avez Vérade je pense que cette vidéo elle sert à rien pour vous parce que vous pouvez déjà faire le TOA hard solo. On a des nouveaux monstres qui sont arrivés comme les dryades. Donc c'est pour ça que mon tableau, enfin à l'heure actuelle, il est à peu près à jour, même s'il y a 2-3 monstres que j'ai pas mis. La dryade vent est vraiment bien. Elle a des debuffs ATB. Ah j'ai pas coché mais elle a du dot en passif. À chaque fois qu'elle fait des dégâts, elle dot. Donc elle est vraiment cool. Vraiment cool. Elle a debuff ATB sur skill 2, debuff ATB sur skill 1 et son passif, à chaque fois qu'elle fait des dégâts, elle met des dots. Donc elle est vraiment cool. Le mammouth d'arc basalte, super fort. Alors pourquoi? Parce que déjà ça rajoute un heal. Il y a une alternative en fait à la compo que je vous ai montré juste avant. C'est de se dire bah de temps en temps on va encaisser des dégâts. Alors qu'est-ce qu'on fait pour encaisser les dégâts? Il y a le mammouth d'arc qui donne le buff death. Et on a l'armure vivante d'arc par exemple zinc qui met le break attack. Du coup break attack sur l'ennemi plus buff death, en fait vous prenez pas beaucoup de dégâts. Surtout si vous avez du shield, vous prenez quasiment aucun dégât. Donc après avec le tableau qui est là ben par rapport au monstre que vous avez vous essayez de faire une team qui a un peu de tout enfin surtout les debuffs quoi. Les buffs c'est du plus. Ganymède par exemple qui est super fort parce que il va reset un ennemi, il va debuff ATB tous les ennemis et en plus quelqu'un de votre team va se faire reset. Donc il est vraiment cool. Les filles occultes, elles sont super cool en TOA. Après, le deuxième tableau, c'est pour les monstres bonus. Les monstres bonus, c'est, on va dire, le monstre qui va vous manquer. En général, vous en mettez pas plus de deux de cette liste. Donc je vais vous les présenter un par un. On a Mav. Mav, c'est cool parce que son skill 3... Il reset les cooldowns de vos sorts et en même temps il donne un buff speed. Jamir, il est cool pour son lead speed et puis pour reset les cooldowns aussi. Verdeil, c'est le meilleur boost ATB parce qu'à chaque tour il va boost ATB. Barretta, pourquoi pas. Après, moi je suis moins fan parce qu'il a qu'une seule AOE. Idéalement, il faut des monstres qui ont deux AOE. Et donc Emma, c'est pour moi le meilleur heal en TOA. Parce que c'est celui qui va protéger le mieux de vos monstres.
en mettant et le buff death et le shield et le heal. Donc Emma plus armure vivante par exemple. Faudra regarder dans la recherche de mon s'il y a pas mieux. Mais Zinc, personnellement j'utilise, il est vachement cool. Avec Amamir par exemple. Il met 2 debuffs, en despair il peut mettre le stun aussi, donc ça fait 3 debuffs. Cumulé avec le Monculus, ça monte vite en debuff. Donc moi j'utilise même en PvP, donc c'est un très bon monstre. Ensuite, on passe au tableau d'après. Donc comment ruiner vos monstres? Donc tout ce qui est debuff ATB, boost ATB, reset des cooldowns, stun et revive, tous les monstres comme ça, en gros c'est quasiment que des... Enfin on a la colonne debuff ici, la colonne stun et la colonne buff. Donc les trois colonnes là, s'il y a un des trucs qui est coché dans ces colonnes là, ça sera en violente. C'est en gros pour qu'il y ait plus de boost ATB, pour qu'il y ait plus de reset, pour qu'il y ait plus de stun. Les autres debuffs, donc si votre monstre il a aucun des debuffs là, et ben il devrait être ruiné en désespoir pour faciliter les stuns. Donc j'en ai un peu parlé aussi avant dans la vidéo. Les runes bonus utiles, on a les runes bouclier qui permet de, comme j'avais dit avant, si au début de la vague personne ne veut faire son skill 3, on va prendre des dégâts, c'est sûr. Du coup, ça permet de tanker un peu des dégâts. Les runes précision qui sont cool pour que toute la team gagne de la précision. Là, par exemple, dans ma team à moi, j'ai 2 boosters ATB. Enfin, mon Maurice et mon Poséidon, ils sont super rapides. Mais je pourrais les mettre un peu moins rapides et mettre 2 sets de précision de plus pour que les debuffs passent beaucoup plus souvent. Les sets vengeance qui sont super cool sur les mobs qui ont un skill 1 intéressant. Donc on a par exemple le Monculus O qui sur un proc revenge peut stun toute la team adverse. Le seul truc c'est qu'il faut qu'il soit assez tanky pour tanker un coup. Mais bon avec les buffs shield et tout, en général on peut tanker un coup. Pas deux. Surtout si vous le jouez en DPS comme moi. On a Mav par exemple qui est sur le skill 1 en revanche peut stun. Donc si vous provoquez quelqu'un en retour il peut stun. Je sais pas, les filles occultes elles le sleep sur skill 1 donc ça peut être cool. Mais par exemple Poséidon sur skill 1 il fait rien. Donc sur skill 1 il transfère ses effets nocifs, mais je sais même pas si ça marche sur un proc vengeance. Donc il faut que ça soit un skill 1 qui stun, enfin, ou qui sleep, qui freeze, un skill 1 utile. Ensuite, on a parlé de l'importance des Dark and Light. On a vu dans la vidéo aussi que quand il y avait des monstres vent, le Monculus et le Poséidon, ils ont fait pas mal de glance. Donc voilà, après ça c'est un peu la RNG, ce qu'on va dire, pour éviter la RNG, la mauvaise RNG. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour du tuto. Ce que je vais faire en fait pour tous les tutos, c'est que vous allez dans les commentaires si vous avez des questions, poser des questions. Et je ferai un commentaire que je laisserai tout en haut avec toutes les questions qui ont été posées pour faire une espèce de foire aux questions. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu et bon courage pour votre TOA.